Donc je voulais te dire que suite aux discussions qu'on a et un peu le recul que j'ai sur l'expérience depuis le mariage jusqu'à aujourd'hui, je la vois notre compatibilité. Tu vois, les 80%, on les sent tous les deux de toute façon. On a un tronc commun qui est quand même énorme. Hein. Enfin, des gens comme toi, avec autant de valeurs communes aux miennes, j'en rencontre pas beaucoup. Je pense qu'on peut être très très proches, mais je pense que c'est une compatibilité amicale, vraiment. Donc je pensais avoir eu un coup de foudre pour toi. C'est vrai qu'après, en apprenant à se connaître, je me suis rendu compte que ça ne viendrait pas de l'amour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé qu'on n'irait pas voir les chiens ensemble. Je pense qu'en fait, c'est la meilleure décision pour nous de ne pas aller voir les chiens. Et je pense que tu es entièrement d'accord et soulagé que je te dise ça. Ça m'a surpris. Forcément, moi, j'étais plutôt en mode j'ai extrêmement peur de lui faire de la peine, de lui annoncer tout ça. Et finalement, c'est lui qui m'attend pour m'annoncer ça. Mais après, je pense que c'est un peu l'ego masculin aussi qui a voulu gérer la situation. Et franchement, s'il le sent comme ça, tant mieux. Je me sens soulagée parce que j'appréhendais beaucoup de t'annoncer que je développais pas de sentiments amoureux parce que j'avais peur que toi, oui. Et donc j'avais forcément extrêmement peur de te faire de la peine. On n'aime jamais faire de la peine aux gens. Et que tu me dises ça, ça veut dire que oui, finalement, on vit la chose de la même façon. Et on est tous les deux soulagés qu'on ne s'attende pas l'un à l'autre à devenir amoureux. J'ai quand même voulu essayer, tu vois. T'as bien fait. J'ai alimenté la chose et tout ça. Moi, c'est ma façon d'être, donc je respecte mes convictions quelque part. Bah oui, puis c'est par respect pour nous, parce qu'on est venu pour ça aussi. Donc on est venu pour ça, ouais. Je pense qu'il y a vraiment cru et que moi, je lui plaisais, donc il a essayé. Et c'est tout à son honneur. Et à la fin, il comprend qu'il y a un mur et du coup, il est redescendu. C'est ce que j'appelle renoncer. Donc tu veux bien être mon ami? Oui. Attends. Oui. Veux-tu être mon ami? Oui. En fait, tu vois, c'est bête, mais il y a un symbole, tu vois, qu'on a autour du doigt qui représentait notre union. C'est pas ça, en fait, le lien qui est entre nous. Non. Donc voilà, moi, je te propose qu'on l'enlève. OK. Qu'on la laisse, on la laisse ici. J'espère qu'elle était pas trop chère. Franchement, tu sais, les petits magasins, là, les trucs qui tournent, c'est 2 balles. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, t'as pas investi assez. C'est vrai que de base, j'ai dit que je voulais pas d'amitié, mais finalement, avec les discussions qu'on a, je pense que vraiment, les 80% sont typés amical et pas amour. Oh, le regard de regret. Non, pas du tout. Je me disais, c'est triste. Elles sont sur la table, comme ça, toutes seules. Faut qu'on les rende aux experts. Tu penses qu'on leur rend? Ah, peut-être. Vaut mieux que ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est recyclé, c'est dans nos valeurs. Et c'est vrai. Voilà, allez, des bagues recyclées, c'est allez. Bon. On les emmène? Oui. On les emmène à la réception.